On est avec Big Joff, spécialiste cuisinier. Le chef. On est en train de préparer le petit déj de champion. Donc comme vous voyez, j'ai pris le relais pendant 2 minutes. J'en ai foutu partout. Et là, bah vas-y, on dose rien de toute façon. Un peu de bacon, un peu de... L'autre là-bas qui prend le rien. Ça va, Alex? Moi, je fais la vaisselle. Ah, il fait la vaisselle et DJ. Avec Sven, c'est S-E-N. On a le petit outdoor. On a Will et Tib qui sont en train de fumer des petites clopes. Ils sont basés à Londres. Et l'idée, c'est que pour le grand public, ça sera free, mais que pour les... ça parle d'aérospatial. The first two struggled on the third, and then we had failed attempts by both Travis Williams. This is the other two and a half men team. That's Willie George. That looks like the French Gowat team. Interesting choice of headwear. I think sticking to their Parisian roots. Yes, this is the French Gowat team, Willie George, Lucas Weze, and Alexander Pinsol, and they are in. And yeah, going with some interesting... C'est quoi ta petite substance? C'est un shot de gingembre en 60 mg fraîche presse pure boost. C'est bon. C'est genre que du gingembre. Avec ça, tu clean 140. Hein. Ouais. Faut que tu fasses un one shot, sinon c'est mort. Et on va pas en pounds. Shot, ouais. Ah, t'as rien de combien? Pounds, 140 pounds avec ça, tu clean. Je suis pas sûr ça. Il va le faire une fois. Il y a des caméras, du coup, il va faire solide quoi qu'il arrive, il va rester solide. L'objectif, c'est que tu fasses poker face. Si t'arrives pas à faire poker face, on te fait faire un défi. T'en bois un deuxième. Tu peux pas être plus fort que la nature, si vous. Ok. Aucune émotion. Mais c'est pas le même goulot que nous, c'est mais un non, autre, j'ai l'impression là. Le goulot, le goulot il est tout petit donc vous pouvez pas les voir. Demain on lui prend le nôtre. Ouais. Non, mais tu vas pas le faire tous les jours. Ah ouais, bah c'est non, mais tu te rends après ce que tu sens quelque chose dans ta vie? Genre t'as du goût sur quand tu non, c'est fini là. Ok, cool. C'est fini. Mais là, tu vas vivre longtemps. Tu seras négatif. Je suis sûr. Avec ça, t'es négatif. Je suis sûr que tu mets ça dans le nez avant le test bac PCR, tu en reprends ça. Sûr. Ah, c'est sûr. Maintenant, je suis un peu. D'accord, on va mettre un peu de rythme. À
c'est mal, je vais m'en y aller, c'est pas de marquer quand t'as mis tous les coups, je vais m'en y aller le premier, et ça va redémarrer. Et ça va redémarrer. Et on va les respecter, on va pas faire de faute. C'est clair ça? Je sais même pas de quoi on peut parler. Je sais même pas de quoi on peut parler, mais je vais rien faire. Vous voulez qu'on parle de quoi? De moi, de tout, je vais m'aider, je sais pas moi. On a rien fait. Dominez, trop il fuit le passe. À 3 tonnes, Dominez, je suis prêt à l'heure, je te retourne. Pied gauche, je tape. On est capable de le presser là. Merde! On se prend pour qui? C'est la journée numéro 2, faut de 3 et 4 pour tout bien passer. C'est pas encore ma place pour son 4. Ce qu'on sait, c'est qu'on est au port du comment ça s'appelle, les Miami Heat. Miami Heat, on va aller voir un petit match de NBA. Et sinon, ça va, tu t'es bien sorti aujourd'hui. On a terminé le workout il y a 15 minutes. On s'est pas douché. J'ai mes deux sauveurs sur la force qui sont arrivés. Ils ont pris la barre, ils ont fait des grands touch and go. Sinon, ouais, c'était cool. C'est cool, l'équipe de la première journée. C'est la remontada là maintenant. On a battu Pro deux fois. Pro deux fois, on l'a félicité. On est parti encourager. Je vais proposer du coup une pro gratuite. Programmation gratuite de 2 mois. Et il nous a tellement rousté. Ouais, bonne journée. Du coup, rendez-vous demain. Là, on va kiffer un peu le match de basket. Match de basket, les Heat contre les Hawks, donc Miami contre Atlanta, Big Job, Miami sera de droit de gagner, ça a la buzz. T'es dans ton match, oui. J'ai entendu qu'il voulait te boucher, j'ai entendu qu'il voulait te prendre devant. Balance, parce qu'une truffe ce mec a signé. Calope, j'ai entendu qu'il voulait te bouger. C'est une truffe. J'ai entendu qu'il voulait te bouger. J'ai entendu Eric. Faux. Mais qui c'est ce type? Pascal. C'est ça que tu appelles tes amis? Eh, qui c'est ce type? De quel droit? Vos amis, c'est vos amis ça? Qui se foutent de votre gueule? C'est ton ami ça qui a dit ça? C'est ton ami ça? Hein, qui se permet de dire on va les bouger ces connons, on va les bouger. C'est qui cono. Alors, mais gars, alors on arrête le chien. Ça va, Kono? T'as bien dormi? Tu lui as rechargé un petit peu le canon? J'ai tout fait. La vidange des 20 000. Et contrôle technique. Ouais, la courroie aussi. La courroie. Parfait. On riri! Watch your step. De nager avec les chaussures, moi j'en ai vraiment chier, je pensais pas que ça allait être aussi bien. Par contre t'es bien sorti hein toi. Hein? T'es bien là sur la nage. Sorti combien? 8 ou 9 je crois. En vrai. Ah ouais, à avancer, coucher dessus. Here they go, Mike, just like we saw earlier, to send the...
I think it's still too early to tell, Noah. A lot of them, especially when we get those lighter barbells. Miami. Yo. Du coup, donc, post journée 3, après l'event de swim, run, row, et l'event où on avait des overhead squats, il fait un petit peu de froid. On a pris une petite tourte là sur l'event des overhead squats. L'idée, c'est de se remettre dedans, de soigner un peu le poignet et puis d'appliquer ce que John il nous fait faire. Hola, ¿qué tal? El tercer día not bien. El primer WOD del día. Sí. And el WOD al final del día no bueno. On a été pas bon, on a été trop gentil, on a été trop lent, trop carré sur les standards, alors que les gars à côté, ils allaient beaucoup plus vite sans attendre que, par exemple, commencer des mouvements de toast, sans attendre que le mec qui devait être en stand le soit. Alors que nous, on était carré et que voilà. Ouais. Du coup, on conjure le sort ce soir. Voilà, un beau portable. Ouli, lui il en prend carrément deux. C'est ma troisième. Ouli il en prend deux pour vraiment conjurer. J'arrête de boire, promis. Estric qui prend de l'eau. Il achète le magasin. T'as autre chose à dire sur la journée? À part que t'es de la merde. Que demain. Si, il a fait beau quand même. Il faisait beau, il faisait chaud. Demain ça va être la gare. C'est all-in. C'est qui le patron? C'est moi. C'est qui le patron? On fera ça demain, on répondra. Parce que là, en attendant, on attend le classement, mais on s'est fait, je pense qu'on va chuter. On a été des petites chèvres, on a été trop gentils, on n'a pas été assez assistants dans la mêlée. On n'a pas osé mettre la tête à l'eau et mettre les pieds. C'est l'inverse, je crois. Ouais, sur ce, bon appétit. Hein. Pouce bleu. Amazing. Du coup, quatrième et dernier jour, on va au briefing. Il n'y a rien de sûr pour les events parce qu'il y a il y a beaucoup de vent. Et il y a des orages annoncés, donc normalement à 13h, tout le monde doit quitter le site parce que ça va souffler fort, donc on n'en sait pas plus. Voilà. C'est la zone où on vient du coup checker avant de démarrer les WOD. On vient ici checker et puis après on part avec les judges. Là-bas il y a le festival, on voit la scène. Ici on a du coup l'espace de kiné, ostéo, il y a les bains froids, l'espace médical. Et là du coup on arrive sur la zone warm-up des athlètes. À gauche là-bas on a un rig, sous le pot blanc là-bas il y a les machines cardio. Nous, on va dans l'amphithéâtre pour faire le briefing. Ça, c'est une partie du Vendor Village. Et il y a la buzz. Ici, on a d'autres stands. Il y a le stand, du coup, il y a RPM, il y a 8 à droite là-bas. Tyr, Herbaï, CBDMB. Et là, il y a le gros stand de Nobul. Tout ce qui va bien dedans. Là-bas on a le stand de Propro, Running Farm. Là on a la baie. La baie de San Francisco. La baleine, San Francisco.
Salut. C'est Gilles, c'est le S. C'est le J, c'est le F. Tu vas où là? Par là. Tu pars au front? Je pars au front. On y retourne, ça y est? Là, on y retourne, mais sérieusement. On va pas déconner. On va pour les destruire. On va pas tortiller du cul pour chier droit. C'est la merde. Quoi? C'est la merde. On va avoir un event, mais vu que tout s'est décalé, ils ont changé le workout. Du coup, on a plus du run, c'est des burpees. Et là, c'est chaud, faut qu'on y aille. 3, 2, 1, go! To thank them for always wearing the same thing, making them very easy to identify. Oui, oui. And Willie George, beret and all. Is that a baguette? Je dois en jumer ta journée. Sur sa cible, laser focus. Ben, content, sauf que j'ai lâché. J'ai eu un petit moment de flottement, un moment de malentendu. J'ai pas lâché le sandbag alors que j'aurais dû lâcher. Je me suis fait quelques allers-retours gratuits avec le sandbag sur le premier WOD. Je suis passé pour un peintre vu que je suis passé premier, donc voilà. Sinon ça va. Je bois pour oublier. J'ai oublié avec ça et voilà. En espérant que demain soit à la tienne. Merci.